Bonjour, je suis Oustaz Sly. Nous sommes au 3 rue Le Mercier. Si bien chez notre jeune, notre frère. On va reprendre Tiens. Ouais. Laisse-moi te faire un bonjour. Tu peux l'enlever. Salut Oustaz. Bonjour Mike. Comment va? Oui, tu vas bien? Ça va bien. Je suis content là. Je suis en Bifel. Ah, t'es un Bifal Dream, yeah. Le rêve des couleurs. Écoute, je suis très très content de t'avoir ici dans mon labo et de parler de toi, parce que c'est ça qui m'a... C'est partagé, qui me permet en fait de pouvoir naturellement te faire honneur et puis de surtout te demander quelques questions à propos de ton album que tu es en train de préparer. Tout à fait. Alors, donc finalement, Stas, donc, l'album il est prévu pour quand? Pour très bientôt. Voilà. Quand il s'agit de temps, j'aime bien que les gens ils se rappellent que le temps, c'est une autre appellation de Dieu. Oui. Laissons Dieu décider de ça. Donc finalement... C'est pour très 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 bientôt. Pour très bientôt. Oui. Donc là, tu es venu dans mon labo donc, pour travailler avec l'esprit de l'image. Bien sûr. Parce que figure-toi qu'il fallait que je passe ici, te voir Mike Sillet, parce qu'on va sortir un single. Je travaille avec Liliaré et Guizé, qui est avec moi là. Oui. Bah, qu'on va... Tout à l'heure, on aura l'occasion de voir, voilà, qui est passé avec moi pour essayer, parce que on s'est dit, Mike Sylla, le Bifal Dream, c'est une identité qui se déclare, c'est une identité qu'il fallait joindre à notre projet. Ah ben bah écoute, donc, ça fait plaisir, merci beaucoup. Je me sens vraiment content, je suis content d'avoir fait ce choix. Et j'ai vu tout à l'heure les essais de Guizé, je trouve que c'est un très bon choix. On est content d'être dans ce labo. Merci. Mike Sylla, depuis longtemps que j'attendais ce moment, je suis très honoré de... Bah écoute, bienvenue, et puis surtout du fait que tu es chez toi, tu le sais très bien. Moi je suis l'artiste qui aide les artistes, qui conçoivent avec eux des idées pour le développement de la vie artistique. Et puis surtout de pouvoir aussi leur donner une façon de se prolonger à travers leur innovation, leur création, et puis de toucher les gens, parce que c'est ça en fait qui est aussi important, c'est d'amener l'art auprès des gens. Ce qu'il faut retenir, là, en tout cas, c'est que No More, c'est un titre reggae que vous devez suivre. Une sortie officielle très bientôt avec Liliaré et Guizé. Oui. Que vous connaissez, hein, peut-être que vous entendez ce nom, mais vous n'associez pas l'image, c'est le moment. Vous allez la voir tout de suite. On va l'inviter tout à l'heure. Voilà, donc No More, ça parle un peu de l'actualité en Côte d'Ivoire ou en Afrique, partout ailleurs en Afrique. Hein, c'est les denrées alimentaires sont devenues très chères pour les pauvres familles, les familles modestes que nous sommes. Donc nous parlons de ça et on parle des personnes en Afrique qui peuvent changer ça. Hein, les personnes que nous votons sont des personnes qui peuvent se rappeler que le plus important, même quand ils n'ont pas dit la vérité, c'est de pouvoir nourrir le peuple. En fait, ça c'est très important. Liliaré, elle est avec moi. Et Bifal Dream, ça nous fait rêver. On n'oublie pas quand même que voilà, on peut garder du style et puis avoir des paroles qui sont sensées. Mais c'est un langage intemporel, c'est aussi ça, C'est dommage quand même que ce soit toujours d'actualité et qu'on soit toujours en train de parler de ce genre de choses. Mais il faut en parler quand même. Le prolongement, c'est le plus important, c'est de continuer à faire ce qu'on aime. Tout à fait. Moi, je trouve que tu as ta place ici et puis je fais partie aussi de ce qui t'apprécie. Je sais le travail que tu as pu faire depuis des années. Je te remercie, Mike. Et moi aussi, je salue ton travail. Hein. Bah, écoute, mon frère. Je suis pas le seul d'ailleurs. On a des grands qui utilisent, qui parlent de Mike Sylla. Bah, on a des grands Africains, des grands artistes, nos mentors. Ouais. Donc voilà, on suit le chemin. Et puis c'est surtout quelqu'un que je connais depuis. J'aime ton sérieux. J'aime l'intérêt que tu as vers les plus jeunes. La transmission que tu as, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Bah, écoute, et donc je suis avec toi, je suis dans mon élément. Bah écoute, bienvenue. Et puis mon frère, l'album No More. Oui. C'est une tuerie, c'est pour bientôt. C'est pour très bientôt. C'est pour bientôt, on ne fait pas de politique, mais on peut s'adresser aux gens qui en font. Ah, c'est bien. Donc voilà. Et surtout, je voulais que les gens puissent te contacter. Si jamais ils ont besoin de te joindre, où est-ce qu'ils vont? Ils vont où? Sur les réseaux sociaux. Si vous êtes à Paris, que vous avez une trottinette ou bien vous êtes en taxi, vous passez au 3 rue Le Mercier, vous allez trouver. Je vais rigoler. Vous allez trouver le studio de Mike Sylla, vous demandez à Mike Sylla où je peux trouver Stas. C'est non, beau. Vous tapez Stas Sly sur Google, oui. STAAZSLY.
Sur Google, vous pouvez trouver. Sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. STAZSNY. Staz Sly. Merci beaucoup. Voilà, ça a été un plaisir pour moi d'être avec toi. Mais c'est aussi pour moi un grand, grand plaisir de t'avoir. Et maintenant, restez, gardez le regard sur la pochette de l'album parce que nous serons habillés avec Lizzie en Bifal Dream. Ben, merci et à très, très vite. À très, God bless you. Nice boy.